Caporal Dwayne X, TQ40482-15E9-SOS. Mon unité a subi énormément de pertes sur LV-426 et demande des secours immédiats à bord du USS Sulaco. Parmi les survivants, moi-même, deux femmes humaines, dont une enfant, et un synthétique dans un état catastrophique. Considérez tous les marines coloniaux envoyés sur LV-426 comme morts au combat. Je répète, tous les marines envoyés sur LV-426 sont morts au combat. Allez, on se bouge, Marine. C'est pas un exercice. Vous êtes plus à la maison, là. Debout, Marine. Pour les nouvelles recrues, je suis le commandant Kroos. Et vous êtes mon unité sur le USS Sephora. On a répondu à un signal de détresse envoyé il y a 17 semaines par l'USS Sulaco. Rhino 2-3 s'y est rendu et y a rencontré une forte résistance. Vous êtes le dernier bataillon qui sort de Cryo. Alors je veux pas vous entendre vous plaindre, vu qu'on vous a laissé faire la grasse mat. Préparez-vous au combat, et on se retrouve dans le hangar d'ici 20 minutes. Nom et grade. Caporal Christopher Winter, 118e bataillon affecté à bord de l'USS Sephora. Caporal Winter, j'envoie Rhino 2-1 à la rescousse de 2-3. Comment ça va, fiston ? Je vais bien, chef. Mais je m'inquiète pour 2-3. Tant mieux, parce que vous allez prêter main forte à Rhino 2-1. Ils essaient de récupérer la boîte noire du Sulaco pour qu'on voit ce qui a provoqué tout ça. Que s'est-il passé ici, chef ? On s'est chié dessus. Votre attention, équipage de l'USS Sephora !
En ce moment même, Rhino 2-1 et Rhino 2-3 sont en train de se battre pour pouvoir maîtriser la situation. On n'abandonne pas de Marine. Dans les deux prochaines heures, nous enverrons une série de transporteurs pour évacuer les blessés de l'USS Sulaco. Chef, le Sulaco a été vu pour la dernière fois sur le Fury 161. Qu'est-ce qu'il fout sur cette planète ? Lieutenant Reed, merci de m'avoir interrompu. On ignore comment ce vaisseau est retourné là-bas. Pour l'instant, on s'occupe de ce qui est en train de tuer nos marines. La situation est incertaine. On aura les infos au fur et à mesure. Allez, bonne chasse, Marine. Jusqu'à la mort ! À la mort ! Écoutez, tout ce que je veux, ce sont des informations. Alors jouez pas trop les héros. Va falloir être mes yeux sur ce coup-là. Vous devez tout me rapporter, que je sache ce que j'affronte. Compris. Dites à Rhino 2-1 que je me rends sur place. Explosive dans le Sulaco. Ici Raider 6-5. Le cordon ombilical se vide dans l'espace. C'est délicat. Délicat ? Raider, va falloir être plus précis. Vous avez 20 minutes avant que tout s'effondre. Il faut le fermer. Winter, vous avez entendu la dame ? Allez de l'autre côté pour qu'on puisse le fermer. Je continue vers le Sulaco. Winter, terminé. O'Neill, on a des pertes et plusieurs blessés ici. Il nous faut un infirmier tout de suite pour les marines touchées de Rhino 2-1. Négatif 2-1. Cette explosion a baisé le sas. Impossible d'utiliser le cordon ombilical sans risquer nos vies. Restez sur place et maintenez nos marines en vie. 2-1, quelle est la situation de 2-3? Winter, on dirait qu'il t'a mis dans le même foutoir. Active ton détecteur de mouvement et dis-moi ce que tu vois. Je vous ai tous les deux. Et 2-3 va vers le sud, au-delà du hangar ou de l'ingénierie. Il se déplace ? Non. Minute ! Je perçois un signal inconnu. Quelque chose en mouvement. Merde. Commandant du Sephora, on dirait que 2-3 maintient sa position. Ou qu'ils sont morts. On détecte des mouvements non identifiés dans la zone. Ils se font peut-être attaquer. Winter et moi, allons. Merde. Commandant du Sephora, je fonce au point de rendez-vous avec 2-3. Chef, il y a la moitié d'un synthétique non identifié explosé sur tout le pont. Quelle moitié ? La moitié qui dit rien. Alors trouvez-moi celle qui parle. Terminé.
vous avez vu, chef. Commandant du Sephora, ici Winter. J'ai localisé Keys, de Rhino 2-3. Il y a des cadavres ici. Je sais pas où sont les autres. Il manque encore quelques Marines de Rhino 2-3. Ils sont tous morts. Et Garnett. Mort lui aussi. T'en fais pas, je m'occupe de toi. Winter, regroupez ceux que vous trouvez et ramenez-les au hangar, avec le reste de 2-1. N'engagez pas. Ici Keys de 2-1, chef. Notre mission était de récupérer la boîte noire du Soulaco. Je vous ai donné cette mission et c'est tout. Regroupez-vous et revenez. On doit savoir ce qui a causé ça. La boîte noire peut nous le dire, avec tout mon respect, chef. Votre respect, c'est de fermer votre grande gueule et de suivre les ordres. Terminé. Rien à foutre des ordres. La boîte noire est pas trop loin d'ici. On la chope et on contacte Rhino 2-1. O'Neill, t'es toujours là? Putain, les gars, vous êtes en train de revenir? Non! Laisse-nous 10 minutes pour choper la boîte noire, d'abord. Nos marines seront pas morts pour rien. 5 minutes pour trouver cette boîte noire et revenir. Kaze, fais attention à Bella. Jusqu'à la mort, Marine. On fera bien attention. Merci, O'Neill. Je te remercie, Winter. Et si tu vois du mouvement, tu réfléchis pas. Tire. Y'a quelque chose ici avec nous. Je les laisserai pas m'emporter à nouveau. Contact! Contact! C'est parti! On va éviter de merder. Il se pointe depuis la droite! Le cordon ombilical est instable, mais on ne peut pas se permettre d'attendre une navette. On va devoir passer de toute façon. L'explosion a verrouillé la porte. Elle s'ouvrira pas sans autorisation. Laisse-moi assez de temps pour le faire. Cette putain de porte. Paré à tirer. Je
mission, tout ça va. Déblocage en cours. La boîte noire est en route vers le Sephora. On a réussi, les gars. Billy Carino, on se bouge, allez! Winter, fonce! On a perdu les données de vol. Keys. C'était Keys qui avait la boîte noire. Tout ça pour rien. Ben, on n'est pas mort. Tu vois, c'est déjà ça. Ici le commandant du Sephora 2-1. Que s'est-il passé dans le cordon ombilical? Commandant, je vous reçois bien. On a perdu Keys. On dirait qu'un truc lui a explosé de la poitrine. Winter est avec vous? Oui, chef. Une idée de ce qui lui a fait exploser la poitrine? Toutes nos navettes sont en route pour évacuer les blessés et prêter main forte. Ce qui fait environ 80 marines, mais on doit leur trouver un endroit où atterrir. Le hangar est libre et on a de la place dans la zone de chargement. Compris. On fonce vers la zone de chargement. 2-1, terminé. Il y a quelque chose qui cloche. Par ici. Commandant du Sephora, on envoie l'image. Ça peut pas être du matos de marine coloniale. Il y a le logo de la Welland, chef. Putain de merde. Quoi? La date et l'heure sont notées partout après le signal de détresse de... C'est quoi son nom déjà? Caporal X. Commandant, ici 2-1. Qu'est-ce que vous en pensez? Chef, il y a quelqu'un d'autre sur ce vaisseau? Bishop, envoie un signal à la Welland. Pas le temps de se poser le cul et de jouer les détectives. Retournez à la zone de chargement, vous deux. Terminé. Merde, on est baisés. Commandant du Sephora, ici Bella de Reno 2-3. Vous me recevez? 5 sur 5, 2-3. Quelle est votre situation? Je me suis réveillée, j'arrivais pas à respirer. Une espèce d'araignée agrippée à mon visage, chef. J'ai été séparée de mon unité. Des nouvelles du reste de mes hommes? Le reste de 2-3 est présumé mort. Désolé, petite. Les rescapés de Reno 2-1 se dirigent vers la zone de chargement. Vous pouvez vous y rendre, 2-3? Garnett? Keys? J'ai du mal à réfléchir, chef. Je ne suis pas sûre de savoir comment y aller. Vous êtes tout ce qui reste de Reno 2-3. Faites au mieux. Revenez ici vivante. Terminé. Commandant du Sulaco, on est arrivé à la zone de chargement. On se rend à la salle des commandes, on peut enfoncer les portes et faire péter ce truc dans l'espace. T'as intérêt à me demander mon avis avant de raconter des conneries.
Raider 6-5, j'ai le commandant avec moi. On approche pour l'atterrissage, Winter. Bien reçu. Compris, Raider. Les portes du hangar se ferment automatiquement. Alors il faut faire vite. Eh ben, tu parles d'un foutoir. Que tout le monde se cramponne à quelque chose. Je dois vous avertir que Winter m'a fait rayer mon vaisseau préféré, chef. C'est ton seul vaisseau, Reed. On a sécurisé le vaisseau. Ça va grouiller de Marines dans quelques minutes. Il y a plutôt intérêt à ce qu'on me dise ce qui vient de se passer. Qui d'autre est à voir avec nous, bordel? Nous n'avons aucun contrôle sur le système d'armes du Sulaco, chef. Des ennemis nous tirent dessus. Ici Raider 6-5, ripostez. Rappelez-vous vos règles de menacement. Les humains aussi. Ces enfoirés nous tirent dessus, chef. Chef, on se fait attaquer par des forces humaines dans la salle des commandes. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, là? J'en sais rien, fiston, ne tire que si on vous arrose. Vous pensez pouvoir atteindre le pont du Sulaco et détruire le système d'armes? Chef, comment est-ce que... O'Neill, si vous faites rien, les marines des deux vaisseaux vont y passer. Alors commencez pas à chialer comme une gonzesse et bougez vos culs, soldat! Bien compris. Une deuxième volée de missiles vient de toucher le Sephora. Il faut procéder à une évacuation complète, chef. Je n'ai aucun contrôle sur le système d'armes. Bella. Bella, ici O'Neill, tu me reçois? On vient de se prendre une méga contre-attaque par des humains. Je suis là. Je suis là. Je me planque dans une réserve près de la zone de chargement 3. O'Neill? C'est bloqué! C'est vraiment bloqué! On va pas passer par là! C'est mauvais signe! Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Tu sais manier un robot de charge? J'ai déjà chargé du matos pendant mes classes, je peux y arriver. Commandant, vous voyez ce que filment nos caméras? C'est qui ces gens? Viens, c'est moi. Oh putain, Bella. C'est ça le truc que t'avais sur la figure quand tu t'es réveillée? T'es sûre que ça va? C'était déjà mort, O'Neill. Je vais bien. C'est bon, je l'ai enlevé quand je me suis réveillée. Il va rien m'arriver. Ça fait du bien de revoir des visages familiers. Tu m'étonnes. Le Sephora se fait attaquer, et on est en route pour neutraliser le système d'armes. T'es sûre que ça va? O'Neill, tout va bien. Tu sais, je suis pas une gamine. Allez, on se bouge. Commandant du Sephora, ici Winter. On a récupéré Bella de Rhino 2-3, mais on se fait arroser par les forces de la Weyland Yutani. On fonce vers le pont. Indiquez la route la plus courte. Winter, passez par l'ingénierie. Rendez-vous aux voies de service, à vous. Bien reçu, Bishop. On fonce vers l'ingénierie. On vous fait un rapport dès qu'on y est. Raider 6-5, on a un visuel de trois navettes qui évacuent des soldats sur le Sulaco. Les amis, sortez vos jouets et envoyez-moi ces enculés de la Weyland en enfer. Il était temps qu'on ait un peu de renfort. Pourquoi on évacue le Sephora? Le Sulaco tire dessus comme un fou.
Si on n'atteint pas le pont à temps, on perdra des tas de Marines aujourd'hui. 2-1, est-ce que vous êtes arrivé aux voies de service? On y est presque, Bishop! Ici le commandant du Sephora. Envoyez ce qu'il faudra pour que nos hommes s'en sortent. Que tout le personnel à bord du Sephora abandonne le vaisseau. Désormais, mes appels passent par la radio du Sulaco. Je répète, abandonnez le vaisseau. Terminé. Commandant du Sulaco, ici Winter. Vous êtes sur les voies de service en route vers le pont. Quelle est votre situation dans la zone de chargement 1? Winter, on maintient encore des tirs sporadiques. C'est comme ça, quoi. Tente probablement de désactiver les armes. Bordel, qu'est-ce qui se passe? Les canons ne sont pas précis. On est en train de buter nos propres gars. Exactement. On atteint le pont, chef. On a réussi. C'est trop tard, fiston. Chef, qu'est-ce que vous racontez? On est là. Commandant, je suis la cour. SOS. SOS. Le réacteur est endommagé. Y'a rien. Désolé, chef. Mais on l'a pas vu. Appel général, ici le commandant de Sulaco. Préparez-vous à l'impact. Ça a été un honneur de servir avec vous. Adieu, soldat. Oh putain. Les gars, on a échoué. Situation. Bien reçu. Winter? Je vais au rapport. Appel au commandant du Sulaco. Ici Winter, à vous. Commandant du Sulaco, vous me recevez? Winter, ici le commandant du Sulaco. Content de savoir que tout va bien. Chef, on est sur le pont. Mais on est arrivé trop tard. C'est pas la peine d'y passer plus de temps. C'est terminé. On est en train d'évacuer le Sulaco. Raider 6-5 vous y attendra. Mais putain de merde! Ne nous faites pas attendre. Commandant, terminé. Est-ce qu'on est loin du transporteur? Question distance ou question nombre de trucs qui veulent nous buter? Est-ce que ça se voit? Environ 400. Oh! Ce putain de vaisseau est encore entier? 2-1, ici Raider 6-5. Ça craint la mort ici. Vous êtes proche? À vous. Ça dépend, 6-5! Proche, genre je peux vous foutre mon pied au cul en personne. Les priver, c'est de fuir avec le transporteur, alors revenez au plus vite! On sera là dans 20 minutes. Faut que vous sachiez que ça pète de partout. On a de la compagnie. Faut viser la porte! La Wayland, en approche! La zone de chargement, on sera coincé ici. J'arrive pas à le croire. Notre vaisseau. Mais là, c'est plus notre vaisseau. Décidé, bâtard.
bloquent ici qu'on évacue. On fait péter les charges. Les moteurs tournent. On est dans les tuyaux 5 sur... Merde! Sortez-nous de là! Vous allez fermer vos gueules, oui! Ici Raider 6-5. J'ai perdu le moteur numéro 2. Je suis dans la merde. J'envoie un m'aider. Raider 6-5 en chute. Je répète, Raider 6-5 en chute. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder ? Les clés. Bon, alors ? Qu'est-ce qui se passe, bordel ? En vous réveillant avec le xénomorphe sur le visage. Je vous l'avais dit, les gars, il était mort. J'en suis absolument sûr. Son aspect extérieur ressemblait-il à des os, de couleur blanche, comme une araignée avec une queue ? Ouais, j'ai un peu mal à la gorge, mais ça va. J'ai rien. Bella, vous allez mourir. Comment qu'en es-tu ? C'est arrivé à Keith. Combien de temps ? Un jour, tout au plus. Je vais dégueuler. Allons-y. Il existe une colonie à Adler's Hope, pas trop loin d'ici. Enfin, ce qu'il en reste. Nos ondes radio sont trop courtes pour fonctionner. On doit trouver un moyen de regrouper ceux qui ont fui le Sulaco. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est le processeur atmosphérique qui a explosé comme une bombe de 40 mégatonnes. Ça donne pas beaucoup d'espoir. C'est tout ce qu'on sait. Allez. Chef, vous comptez nous parler de ce qui vient de se passer avec la Wayland ? Je crois qu'on peut dire que les marines coloniaux américains sont en guerre avec la Wayland Yutani. De sujet. Chef, qu'est-ce que vous savez sur les marines qu'on a envoyées ici il y a 17 semaines ? Pas plus que vous. C'était deux escouades accompagnées d'un employé de la Wayland et d'une civile. Les seuls à avoir survécu et quitté la planète avec le Sulaco étaient la civile, un adjudant du nom de Ripley, un troufion nommé X et une petite fille. Ils étaient en cryo quand ils ont atterri sur Fury 161. Et on est censé croire que la Wayland est montée à bord et a ramené le vaisseau ici ? Ça n'a pas de sens. J'ai compris, les gars. Je veux pas rester dans les parages pour voir ce que c'est vrai. On dirait peut-être pas, mais Adler's Hope pourrait bien être notre dernier espoir de survie. On peut mettre en place une salle des opérations. Très bien. Il faut se rendre à la salle des opérations. On a plus d'une centaine de soldats à rassembler. Quelque chose sur mon détecteur. Je crois que tu vois un peu ce que tu veux sur ton détecteur. Putain.
faut pas que ça traîne. Bishop, regarde ce que tu peux faire. Bien sûr, chef. Pose les tuyaux à Smart Gun sur la table, ici. Winter, cherchez comment alimenter la table avec le terminal. Bon, allez, ramenez vos culs. Bishop et moi, on va se poser ici pour analyser les systèmes qui peuvent encore démarrer. Bella et Reed vont foncer vers la tour de communication pour établir un lien avec tous nos hommes. Appelez-les, ramenez-les. Chef, je voudrais aller avec elle, si possible. Je pourrais les prendre. La ferme, Boulet. Vous et Winter, vous allez balayer le périmètre de l'enceinte et planter des capteurs de mouvement pour qu'on puisse surveiller d'ici. Compris. Tout de suite, chef. Il va pas appeler Gros Boulet, le chef? Affirmatif, Boulet. Occupons-nous de ces capteurs. J'ai pas envie de traîner. Je le sais bien, mon pote. C'est pour tous nous protéger, et pas que Bella. Bishop, ici 3-3. Le premier capteur est en place, à vous. Compris, Winter. Il vous en reste encore 4. Ok, le deuxième capteur vient d'être activé. Affirmatif, 3-3. Vous pouvez poursuivre. On dirait que quelqu'un a livré une putain de dernière bataille. Les armes sont vides. Pas une balle. Appel au commandant. Les 5 capteurs sont opérationnels. Vous devriez avoir un périmètre. Dites-nous si tout fonctionne, à vous. Ok, 3-3, d'ici le périmètre semble correct. Bishop, qu'est-ce que c'est ce bordel? Surtension. Winter et O'Neill, le capteur de la morgue vient de se couper. Trouvez-en la raison et retournez à la salle des opérations. Terminé. Winter, O'Neill, votre emplacement n'est plus sûr. Ramenez vos culs aux opérations, tout de suite! Une vieille tourelle. Vous vous rappelez où elle est? Oui, chef. On va aller la chercher. Bien reçu. Suis-moi. Je vais te couvrir, mon pote. Winter, mettez cette tourelle à côté du stock de munitions. Sauter le générateur quand on a remis le jus dans le mess. J'ai perdu le contact avec Reed et Bella. Il faut absolument établir une liaison maintenant pour contacter nos marines. On ne tiendra pas longtemps si on ne reçoit pas des renforts. Il y a un tunnel d'accès qui devrait vous y mener directement. Prenez le Winter, prenez le Smart Gun avec vous. Prenez les filles, foncez vers les égouts et vous atteindrez la tour de communication. Bien compris? Bien compris, chef. Winter, on y va. Thank you.
notre détecteur s'emballe. Prépare-toi à les accueillir. Bishop a boosté le signal des ondes. Vous me recevez ? Affirmatif. On vous reçoit, commandant. Le signal est toujours faible, mais ça fait du bien de vous entendre, chef. Compris, 2-1. On perçoit vos déplacements et vous êtes à environ 30 mètres de l'ascenseur. Bien reçu, chef. Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'on me reçoit ? Ici Winter. Je suis dans la merde et je sais pas où je me trouve. Allez, putain de radio ! Winter ? Oh putain, mon vieux, je te croyais mort. Comment est-ce que t'as fait ? Je viens de cramer mes dernières munitions sur deux de ces merdes. Je suis descendu par les tunnels pour te chercher. Qu'est-ce qu'on fait, mec ? J'ai paumé mon détecteur près de l'ascenseur. Certain pour me retrouver. Allez, trouve une issue, mec. Fallait que tu paumes ton arme, imbécile. Thank you.
O'Neill, il y a ces espèces de coquilles dans les égouts. C'est quoi ce genre de bestiole? Merde, t'en as trouvé. Il y en a qui sont encore vivants par là. Vas-y doucement, Winter. Apparemment, ils réagissent au son. Si l'un d'eux se rapproche, ne bouge surtout plus jusqu'à qu'il se tire. Pas dit que ces connards explosaient. Ils ont explosé? Ouais, ça craint. Ils étaient là genre, hé, c'est quoi ce bruit? Et puis, ils ont explosé. Quel gros bordel. Winter, elle revient. Elle est sur moi. Cette grosse bestiole. Je suis arrivé à l'ascenseur. Je sais pas où elle est partie. Elle est dans le coin. Alors on a voulu balancer des cailloux. Ça va, Bella. On se regroupe et on va la chercher. On n'abandonne personne. On a été séparés, elle était près des réservoirs de carburant quand je suis tombée dans la remise. Oh putain, il
faut d'abord la mettre dans un cocon. On a le temps. Comment tu sais ça? Keys. On y va. Merci. On attaque compagnie, les gars! Aucun marine. Tu le sais bien. Allons à la tour de communication. J'ai failli y passer. C'était pas loin. La ligne principale est foutue. Il me faut un peu de temps pour faire une dérivation du système secondaire. Rien à faire. Contact! Pour couvrir Reed, on chute pas n'importe comment! Toujours pas de signe de Bella. On continue, poulet. On m'appelle pas comme ça. Alors, c'est qui le chef? J'ai réussi à pirater la tour de communication comme une pro. Tu vas bien? Ouais. Si ça doit se reproduire, fous-moi une balle dans la tête. C'est un ordre. J'attends la même chose de toi. Quand ce sera l'heure, bute-moi. Personne ne fout personne ici. Bella, il y a du matos médical de la Welland partout. Il y a bien un moyen pour te sortir cette saloperie du bide. Je le sens bouger. Hein? Restez sur vos gardes. Surveillez vos détecteurs. Rodeur par là! Tout le monde va bien? Bah ouais, tout va bien. Affirmatif, je suis là. Minute, où est O'Neill? Qu'est-ce qui est arrivé à O'Neill? Merde, son détecteur se déplace avec cette bestiole. On est bon au niveau munitions, alors on va le chercher. Pas si vite, pas si vite! Si on court après O'Neill, on pourrait y rester. Tu plaisantes, j'espère. Mais réfléchis un peu, Bella. C'est trop risqué. Je suis la plus gradée ici, c'est à moi de donner les ordres. Donner les ordres? Mais c'est grâce à lui qu'on est allé te chercher. Reed, que tu viennes ou pas, nous, on part à sa recherche. On n'abandonne aucun marine.
T'auras qu'à nous passer en cour martiale. On y va, les gars. Si on crève, ce sera de ta faute. Alors on est parti. Jusqu'à la mort. Allez. Bougez-vous de là! Ok, faut foncer vers la porte, tout de suite. C'est pas vrai. On sait même pas s'il est en vie. Bon, c'est moi qui pars devant. Bugez! Il approche, il faut se tirer! Les balles ne lui font rien! On dégage! L'air de faire grand chose. Mais peut-être qu'une grosse pression d'une tonne le calmera. Dans le robot de charge. Saisis l'autre chose. Contente de te revoir en un seul morceau, O'Neill. Contente de te revoir, alors que tu voulais le laisser crever ici. Mais là, de quoi tu parles? On a eu un désaccord. Elle voulait jouer les chefs et te laisser te démerder. Bon, que tout le monde se calme. J'avais la trouille. Je suis qu'un pilote, mais en tant que lieutenant, je dois prendre les décisions. On n'abandonne aucun marine. On emmerde les ordres. Hé hey, on peut pas remettre ça plus tard? Bella, on peut pas risquer la vie de plusieurs marines pour en sauver un seul. On sait ce que tu traverses. Mais c'est dur d'avoir confiance en quelqu'un qui en a plus que pour quelques heures. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Tu sais, c'est con parce que je voulais me réserver la dernière. Oh! Ok, on se calme! On se calme! Baisse ton arme, Bella! Baisse ton arme! Tu viens de menacer un officier supérieur. Ah ouais? C'est pas toi qui m'as donné l'ordre de te buter, en temps et en heure? Ça suffit! On retourne à la salle des opérations! Vous faites chier, putain! Commandant du Sulaco, ici 3-3. On a récupéré quelques marines après s'être occupés de la tour de communication. On rentre. Ça part en couille ici. Je sais bien que notre situation est exceptionnelle. Je viens de perdre 300 de mes gars. Alors vous pouvez me croire quand je vous dis que je suis à cran, moi aussi. Reed, Bella. Oubliez ça et bougez-vous. Permission de... La ferme, vous avez pris la bonne décision et vous le savez. Je ne veux plus en entendre parler. Vous deux, à l'avant et au centre. Si j'ai bien compris, ces deux imbéciles me demandent d'autoriser une sorte de mission suicide au cœur de la Welland, pour essayer de vous enlever ce truc du bide. On n'est pas assez nombreux, et plein de marines manquent encore à l'appel. Chef, laissez-moi vous expliquer ce que... Mais vous avez mon feu vert. À une condition. Chef ? Il y a un registre du personnel dans les locaux. Rapportez-le-moi, et je vous donne ma permission. Oui, chef. Merci, chef. Il y a un entrepôt avec des tout-terrains de la colonie. Prenez-en un, et faites en sorte de revenir vivant. Tous. Permission de les accompagner en mission, chef. Refusé. Je veux y aller. Et moi, je veux que mon pilote reste en vie pour évacuer tous les marines de cette planète. C'est un ordre, que ça vous plaise ou non. T'inquiète, tu ne dois rien du tout. Occupe-toi d'aider les autres pour qu'on puisse démolir la Welland. Essaye de ne pas nous gêner, c'est tout. Pourquoi on s'arrête? Ouais, mais le terrain est devenu impraticable. La poussière a déjà baisé les cylindres, ça avance quasiment plus. On marche. Commandant, ici Winter. On cherche comment entrer à pied dans le complexe. Compris, Winter. N'oubliez pas le registre. À vous.
c'est des navettes militaires. Elles ne sont pas à nous. On dirait que ces bâtards de la Wayland recherchent les Marines qui ne sont pas encore retournés à Adler's Hope. Que tout le monde se baisse! Si on se fait repérer, c'est foutu pour rentrer dans le complexe. Oh putain! Commandant, véhicule de secours du Sulaco localisé, mais il y a aucun survivant, chef. Les Xénos les ont eus. À vous. Compris, Winter. Continuez la mission, on s'occupe de nos gars. Terminé. C'est quoi ce truc qui brille sur les murs? Oh merde, ça bouge! Vous avez vu? Il crache de l'acide! Du putain d'acide! Au-dessus! Ça, c'est sûr, ça fait pas partie du vaisseau. Il y a le logo de la Wayland dessus. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Ça doit être sûrement connecté au complexe de recherche. Alors on passe par là. C'est le jour de congé de la femme de ménage. Ce serait pas un Xéno, ta femme de ménage, par hasard? Bien possible, Bella. C'est trop tard pour se retirer de la mission. Bon, O'Neill, faut qu'on ouvre cette porte. Bella, il indique quoi, le détecteur? Hein? Sporadique? Rien ne reste à porter. On est bon pour l'instant. Cette porte est bloquée. Certainement à cause des dégâts sur la structure. Je vais la défoncer. T'es vraiment un boulet, boulet. Moins de bruit. J'avais besoin de lui dire le coup du boulet. Ça m'a échappé. Je passe devant à partir de maintenant pour éviter qu'on se fasse repérer à 1 kilomètre à la ronde. O'Neill. Ça marche, ce truc? J'en sais pas plus que toi. Il faisait peut-être envie de crever. Mais bon, ça marche. Cherche le registre, O'Neill. J'en mettrai ma main à couper. Il y a un registre par ici. C'était beaucoup plus facile que ça en avait l'air. Attends. Quoi? Matricule de marine ici. Ils ont un marine? Qui ça? Donne-le à Cruz et laisse-le vérifier. Commandant, nous avons le registre. On l'envoie sur une fréquence relais et on fonce au complexe. Compris, Winter. Bonne chance avec Bella. C'est quoi ça? C'est un transporteur. Le jus a été branché. On a dû se faire repérer. Impossible qu'on nous voie ici. Il vaudrait mieux partir. Maintenant. Cassez du fameux!
Position sécurisée, commandant. Et le registre ? Bishop a recoupé le matricule avec nos propres documents. Ils ont un marine sur le vaisseau qui leur donne des informations. On ignore s'il le fait sous la contrainte ou pas. Notre vaisseau ? Ils ont kidnappé un marine depuis le Sephora, chef ? Non. Il vient du Sulaco. Je comprends pas, commandant. Tous les marines sur le Sulaco sont morts. Négatif, Winter. Il en reste un en vie et ils vont le déplacer bientôt. On n'abandonne pas un marine. Mission à suivre. Terminé. Il vient juste de nous trouver une deuxième mission suicide pour tarer. La première n'était pas assez ou quoi ? Il est barré. On est volontaire. Tu sais qu'on ne laisse pas de marine en chemin. Ouais, mais j'ai pas signé pour me faire buter à la place d'un autre. Non, tête de nœud, t'as signé pour te sacrifier pour d'autres marines. Promets-moi de faire évacuer le marine capturé, peu importe ce qui m'arrive. Bella. Promis ? Promis. Si c'est bien un tunnel d'accès à la station de relevé géologique, il devrait nous conduire juste sous la barrière. Allez-y doucement, les gars. En avance ! Hey, comment tu te sens, Bella ? Pas terrible. On va te sortir cette saloperie de là. Arrête de dire ça. Pourquoi ? Parce que tu sais ce que je ressens. Et ouvre bien les yeux. Il en reste une dans le chargeur, c'est tout. Tu te souviens de notre accord ? Oui. Alors, n'hésite pas. J'entends le moindre bruit. Ta cervelle finit au fond de la poubelle, d'accord ? Fais un signe de la tête si t'as compris, du con. Bella, allonge-toi sur la table. Elle a eu un de ces facehuggers. Il a laissé un bébé dans sa poitrine. Comment on le retire de là ? C'est impossible. Mauvaise réponse. Je vous en prie. Je vous en prie. Croyez-moi. On a essayé d'extraire la forme de vie en gestation. O'Neill, laisse-le parler. C'est bon. L'embryon extrait des fluides et des nutriments de l'hôte afin de créer un placenta, mais différent de celui des humains. Le placenta est comme une mauvaise herbe qui prend racine dans chaque organe de la cage thoracique. Même si vous réussissez à opérer et à retirer l'embryon, le placenta est comme un cancer. Vos organes finiront par périr l'un après l'autre et... Et vous... Vous mourrez. Winter, assomme-le. O'Neill, je peux pas. Il fait pas chaud, là. Hé, Bella. Hé, Boulet. Doucement, s'il te plaît. Ferme tes yeux. T'as compris, Marine. T'as promis. Évacue tout le monde de la planète. Jusqu'à la mort, Bella. On avait un accord. Commandant du Sulaco. Ici 2-1 au rapport. À vous. O'Neill, bordel, où vous étiez ? Qu'est-il arrivé à Bella ? Négatif, commandant. Nous n'avons pas rempli la mission. Le sujet n'a pas survécu. Demandons paramètres pour extraction d'otages. À vous. Vous êtes sûr que... Balancez juste les ordres, chef. Compris, 2-1.
Le marine capturé est déplacé vers un blindé de la Welland à l'intérieur du complexe. Vous devrez désactiver temporairement le module énergétique pour créer une diversion. Essayez de ne pas vous faire tuer. Je promets rien. 2-1, terminé. C'est à Bella que j'ai promis. Commandant, est-ce que vous captez ou pas? Sans déconner, ça dépasse vraiment les bornes. Les Xénos sont sur le point de passer la barrière. Vous êtes sûr de vouloir faire ça à se rester là-bas? Ils ont pas la moindre chance. Ils auraient dû y penser avant que leur action ne conduise à la mort de 300 Marines. Allez, vas-y. Commandant du Sulaco, ici Winter, en route pour l'extraction de l'otage. On cherche quoi exactement? Bien reçu. La Welland le retient prisonnier de l'autre côté de la structure, dans un module de sécurité, si j'en crois le registre. Alors ramenez-le. Armes parées, en marche! Oh putain. Commandant, vous voyez ça? Affirmatif, Winter. L'image est instable. C'est quoi cette saloperie? C'est la reine. Répétez, O'Neill. Vous avez dit reine? Comment vous voulez l'appeler? Elle pond des œufs. O'Neill, on se casse. Commandant, la Welland Yutani ramasse les œufs pour l'extraction. Si ces trucs quittent cette planète. Compris, Winter. Ne crevez pas, vous deux, et ramenez ce marine vivant. La Welland peut attendre. Le voilà! Ce bâtard a intérêt à valoir le coup. Ça va chauffer! Commandant, vous voyez ça? Répondez! Il y a un vaisseau hypersonique de posée et c'est notre ticket pour partir! Allô? Commandant! Putain, il est où? Il est au courant. Hein? O'Neill, on doit filer rapidos! Rose, il savait à propos de cet enculé de traître avant d'autoriser la mission. Rien à voir avec Bella! O'Neill, monte dans ce foutu blindé! Commandant, ici 2-1, en chemin avec le prisonnier. J'attends des explications, chef. Il y a un truc qui cloche. Ils avaient l'air bien énervés contre vous. Est-ce qu'ils ont une bonne raison? Ouais. Qui sait? Faites bien gaffe à ce que vous allez faire. Vous saviez à propos du registre? Vous alliez partir de toute façon. Vous saviez que Bella allait y rester, quoi qu'il en soit. Oui. Et vous le saviez aussi.
fiston, rien au monde n'aurait pu vous empêcher d'y aller et d'essayer de toute manière. On se calme. Baisse ton arme. On vient de risquer notre vie pour sortir ce gars du complexe de la Wayland. Oublions les mensonges un instant. Pourquoi ce marine était-il si important pour vous? Que s'est-il passé sur le Sulaco? Me mentez pas. Je vous préviens, me mentez pas. Retirez le sac de ce soldat maintenant. Bon alors, et c'est qui, lui? Oh, génial. Nous y revoilà. Je suis le caporal X de l'USS Sulaco. J'ai été retenu contre mon gré pendant des mois par la Wayland Yutani. Il voulait des informations. Bishop, t'es en vie? Un Bishop différent? X, comment pouvez-vous être en vie? Vous avez été classé comme mort au combat il y a 14 semaines. Nous sommes là parce que nous avons répondu à votre appel de détresse. Vous auriez pas dû. Quelles informations vous leur avez données, Caporal? Des trucs qu'ils allaient découvrir, forcément. Je leur ai dit juste ce qu'il fallait pour qu'ils me butent pas. Chef, c'est qui qu'on a ramené? C'était déjà trop tard quand on a tout découvert pour X. Je ne pense pas qu'il y avait la moindre chance que l'un de vous revienne vivant. Je suis désolé pour Bella. Je le suis vraiment. Il retenait un prisonnier dans ce complexe depuis des semaines. La Wayland Yutani possède un vaisseau hypersonique. J'ai pour mission d'évacuer la centaine de marines encore coincées sur ce caillou. Vous feriez mieux de vous dépêcher, chef. Le dernier hypersonique part bientôt et ne revient pas. Avez-vous les horaires des hypersoniques? J'en sais beaucoup plus que ça. Nous avons deux unités de marines en approche. Ils sont suivis. Hein? Il y a une centaine de xénos fonçant sur Adler's Hope. Dans environ 30 secondes. L'horizon va se retrouver obscurci par les engins de mort les plus dangereux de l'univers. Ça se voit que vous êtes pas vraiment le type de gars qui aime se faire remarquer. Mais c'est pas à vous de décider. Vous et mon pilote, vous êtes les marines les plus importants que nous ayons. Alors, sortez votre cul de là! Allez! Méchant. C'est bon, on va faire ce qu'il faut. Dans le transporteur, elle est toujours aux opérations. Elle est pas là.
Pardon, chef? J'ai envoyé Reed et X dans un blindé en dehors de la colonie. Vous avez fait quoi? Apparemment, vous serez parfait, espèce de saloperie d'insubordonné. Vous avez pas précisé où se diriger avec le blindé. Chef. Comment pouvez-vous être en vie, si vous me permettez la question? Que s'est-il passé sur Fury 161? Bon, on va éviter tout le baratin inutile. On a quitté LV-426 et j'ai envoyé un signal de détresse, auquel vous avez tous répondu. Puis je suis retourné en hypersommeil en attendant de l'aide, ou la mort, peu importait. Près de Fury, le vaisseau est passé en mode alerte et je suis sorti de l'hypersommeil, étant le seul marine qui restait. Le vaisseau était en alerte parce que les soldats de Michael Wayland étaient montés illégalement. Donc, qui était dans ton caisson? C'est une longue histoire. Tout ce qui m'importe, c'est de les buter. C'est tout ce qui me reste, les gars. Allons-y. Après vous, chef. Nous sommes tous des marines coloniaux. Y a pas un jour qui passe sans que je remercie le ciel de m'être engagé. Je serais un putain de damné si je laissais la Wayland Yutani me retirer ça. Actuellement, on n'a aucun vaisseau hypersonique pour que tout le monde quitte cette planète. Mais eux, oui. Combien de temps avant que le prochain vaisseau arrive? Jusqu'à ce soir. Ils font leur valise pour de bon. Soit on prend ce vaisseau, soit on part pas. C'est la seule chance qu'on aura jamais. J'ai 63 marines coloniaux des États-Unis avec moi. Et on va s'emparer de ce complexe, ainsi que de ce vaisseau. On va faire tout notre possible pour faire couler cette compagnie et Michael Wayland, pour tout ce qu'ils nous ont fait endurer, et tout ce qu'ils nous ont pris. Jusqu'à la mort, O'Neill. Jusqu'à la mort. Au nom des marines, tombez au combat! Ici Raider 6-5, une fois dans le complexe, je vous ferai un topo sur la situation des forces terrestres. Ouvrez l'œil et identifiez les cibles au sol ou aériennes. Compris, Raider. On intervient rapidement et on bute les cibles sans délai. Compris, Winter. Bonne chasse et laissez-moi de côté. 6-5, terminé. Ici le commandant du Sulaco. À toutes les unités au sol, préparez le déploiement. On arrive. Sur cette planète en ce moment. Butez-la si vous pouvez. Ce vaisseau doit pas décoller. Commandant, vous voyez ça? Il brûle toutes les preuves.
Je vois Winter. Occupez-vous de garder ce vaisseau au sol. Il faut buter la reine. Suis les engins de dommage. On s'occupe des troupes au sol. De cette façon, reine aura le champ de libre. Commandant, on progresse afin de localiser le vaisseau hypersonique. Quelqu'un a vu où ils ont emmené la reine? Chef, nous sommes dans la structure et avançons à travers la zone d'atterrissage. Bonne chance. Rappelez-vous de faire ce qu'il faut pour garder ce vaisseau au sol. Localisez la reine. Sortir de là. Comment ils ont fait pour tout tapisser de cocon si vite? Ils sont déjà morts. Il y en a partout. Il faut les sortir de là. Non, il a raison. Ils sont déjà morts. O'Neill, on a fait ça. C'était nous. Si la culpabilité t'empêche de dormir la nuit, souviens-toi quand on a vu Sephora exploser. C'était des scientifiques. Ils n'avaient rien à voir avec ça. Vous allez la fermer tous les deux? Putain, c'est quoi cet endroit? Ici. J'en ai entendu parler. Sont-ils d'ici? Je crois que t'en sais autant que moi, mec. Allons-y. Ici Raider 6-5, j'ai la reine en visuel. On est paré à attaquer. Mayday, Mayday! On se fait canarder la gueule par des canons AA. Impossible d'approcher la reine. Quelqu'un pour neutraliser ces canons! Besoin d'appui au sol! Allez! Forte activité de Xeno dans le complexe. Nous arrivons aussi vite que possible. Winter, terminé. Y'en a un sur le canon! C'est un canon? Je sais pas! Je vais la descendre, cette pute. Tenez bon, bordel! Ici 6-5, on est en train de contourner! Non! Je
répète, impact négatif. Commandant, la reine est en train de se barrer. Allez, allez, bougez. Le vaisseau est en vol, je répète, le vaisseau est en vol. En attente d'ordre, à vous. Que tout le monde fonce vers le transporteur! Tu comptes t'y prendre comment pour monter dans ce vaisseau? Ça, je sais pas encore! Eh bien maintenant, ce serait vraiment le bon moment. Je sais! Bishop, ici je fais péter les portes! Cela scellera sûrement l'intérieur pour empêcher une brèche dans la coque. Quoi? C'est ça le plan? On n'a pas d'autre option! Il faut être dedans avant de quitter l'atmosphère! Vite, allez-y! C'est parti! Deux de lancer! Attention à l'impact! Est-ce qu'on sort d'ici, Bishop? Winter! Reed, il est coincé. Trouve un moyen de sortir d'ici avec Bishop. On n'abandonne personne, ok? J'essaye de le sortir de là pendant que vous tentez d'ouvrir le sas. Je vais faire passer O'Neill, Reed et X par la trappe de maintenance afin de pénétrer à l'intérieur. Je dirais qu'on a environ 8 minutes avant de quitter l'atmosphère. Attendez! Commence pas! On bouge! Bien compris. On continue! Comment ça va chez vous, chef? Je regarderai bien la télé. On a 8 minutes, chef. Je vais trouver le moyen de vous sortir de là. Vous êtes taré ou quoi? Winter, barrez-vous! Bishop, la reine est au hangar avec nous. On y est presque. Ne vous faites pas repérer, Winter. Bien vu. Il me faut un rapport. C'est trop risqué d'ouvrir la porte si elle est encore dedans, Winter. Savez-vous utiliser le lanceur de charge? C'est pour les approvisionnements aériens. Je t'écoute, Bishop. Vous devez réinitialiser le lanceur de charge avant utilisation. Son système a été déconnecté depuis le crash. Winter, vous devez le faire manuellement. Bien compris, Bishop. Avant d'actionner le largage, vérifiez qu'elle soit devant le lanceur de charge. J'ai, chef. Bonne chasse. Amarre largué. Moteur en marche. Bon voyage, chef. Voyons si cette merde encore volée. Terminé. Ça vient vraiment de se passer. Craner. C'est derrière cette porte que se planque Michael Welland.
La raison de notre présence, la boîte noire du Sulaco est perdue. La Wayland a tout détruit dans le complexe. Il nous le faut vivant, pour qu'il nous raconte tout ce qu'il sait, compris ? O'Neill, j'ai besoin de toi sur ce coup-là. On peut les avoir. Non, non, attendez. Attendez, avant de me tuer, attendez. Vous réalisez ce que vous venez de faire ? Je vous en prie, ne faites pas ça. Je ne suis qu'un homme à la tête d'une compagnie. O'Neill, pense à ce que tu fais. Marre de penser. On les a eus, mec. Baisse ton arme. Je peux pas. Quelqu'un doit payer pour ça. Pour Cruz. Pour Keys. Pour tous ceux qu'on a perdus. Pour elle. Me force pas à dire son nom. Si quelqu'un prononce son nom, je vous jure que je lui fais exploser la tronche! Je vous en prie, ne tirez pas! N'adresse pas la parole, espèce de sac à merde! Et moi, puis-je vous parler? Bishop, je te mets pas en travers, mec! Non? Je déconne pas, Bishop. Si tu dégages pas, je te crippe de balles! Vous ne le ferez pas. Bella ne l'aurait pas voulu. Je veux pas qu'on dise son nom! Bella. O'Neill, bute-le! Ex, putain, mais qu'est-ce que tu dis? O'Neill, t'es censé le descendre. C'est comme ça que ça doit se passer. Repos, caporal! Fais pas ça, O'Neill! Oh, merci. Oh mon Dieu. Je viens de le tuer, ton Dieu. On avait besoin de lui! Regarde bien. C'était pas le vrai Wayland? Négatif, caporal. Mais... comment tu savais que c'était pas le vrai Wayland? T'as dit qu'on devait découvrir ce qu'ils savaient. Ils m'ont gardé 13 semaines et 4 jours. Je me faisais torturer des heures, tous les jours. Des fois, je pensais que j'allais y rester. Mais quand on est que deux dans la même pièce, tu t'en rends compte quand l'autre mec respire pas. Pourquoi ne pas le garder vivant? Parce qu'il vous tuerait tous à la moindre occasion. C'est sa fonction. Bishop, je peux télécharger les données qu'il contient. C'est un modèle spécial. On aura peut-être de la chance. T'as besoin de quoi, Bishop? Faites-moi de la place et trouvez-moi un scalpel. Est-ce que... c'est dangereux? Mon cerveau est fait de circuits. Question idiote, vraiment désolé. Tu es prêt, Bishop? Le téléchargement est déjà en cours. Juste un instant, s'il vous plaît, Winter. Ça va marcher. Ça va marcher. Comment tu sais? T'as perdu une fille aussi, pas vrai? Ouais. Moi aussi. Il faut que ça marche. Bishop, tout va bien? Dis-moi que t'as quelque chose. Le moindre truc. Il faut qu'on réussisse sur ce coup-là, mec. On a tout, c'est bon.